Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode numéro 12 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Indigo, chapitre 2. Et on est toujours dans cet étrange endroit qui est un donjon, hein, à proprement parler, sauf qu'il se trouve dans une sorte d'épave de bateau abandonné et qui est un peu labyrinthique, il faut bien le reconnaître, puisqu'on tourne un peu en rond à l'heure actuelle. Même si on a quand même pas mal exploré à côté, je pense qu'on va finir par trouver où aller, hein, tout simplement. Et donc, au bout du compte, eh bien, on verra ce qu'on y trouvera. En tout cas, c'est très sympathique, hein. J'aime bien à chaque fois les lieux à découvrir, les énigmes, les donjons sont très bien foutus. Donc si un jour il doit y avoir un jeu, enfin ce jeu devait être un jeu officiel ou en tout cas un jeu complet, ben, je vote largement pour. Ah bah tiens. Oh bon, on voyait pas d'œil. Ah. Donc bah écoutez, on va tout de suite continuer ça. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est très important de le rappeler à chaque fois. Je ne dis jamais ça comme ça, hein, puisque bah, ça participe là au référencement de la chaîne. Ça me soutient assez facilement, un petit coup sur la cloche. Et aussi le bouche à oreille, hein, il ne faut pas non plus l'oublier, puisque bah, communiquer autour de vous, hein, voilà, vous êtes ma propre publicité, entre guillemets, même si j'aime pas dire publicité. Parce que mon but n'est pas de me faire de l'argent, c'est juste que des gens voient ce que je fais et que je puisse avoir des retours. Au moins ça. Pour savoir si je pars dans le bon ou le mauvais sens, hein. Ça peut arriver de se tromper, ça peut arriver de faire des erreurs, surtout quand on est amateur, en tout cas vidéaste amateur, mais c'est là que vous intervenez justement. Et je vous remercie beaucoup de votre soutien actuel. C'est déjà incroyable, mais je suis sûr que ça le sera encore plus, mais pour cela, les abonnements sont évidemment nécessaires, vous le savez. Je rappelle bien sûr hein, l'objectif des 160 abonnés qui est toujours d'actualité pour le moment. Alors, je cherche quelque chose mais je ne trouve pas la porte qui était fermée à clé. La porte à ouvrir, elle est où? C'est pas là. Maintenant qu'on a cette clé. Ah, c'est labyrinthique ce truc, ça m'énerve. Attends. C'était quelque part, je me souviens. C'était en hauteur. Attends. Ah bah oui. Ah oui, c'est sous mes yeux. C'est là où il y avait les deux caisses sur les côtés. Je viens de voir le boulet. Il continue de taper. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le mât? Oh. Non, mon
Putain, je me suis trompé. Et dehors. Et voilà, se débarrasser du deuxième. T'es là, toi? Oh. 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 Peut-être l'objet du donjon, enfin. Une encre marine, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What? On dirait un peu le boulet de Twilight Princess. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont inventé un item bizarre. C'est comme ça, ouais c'est ça. Oh, je glisse. Ah, c'est le vent. Ah, ils ont inventé un nouvel item, un peu comme le boulet de Toilette Princess. Ok. C'est quoi ça? Oh! Oh la vache. Ok, bon. La clé squelette. Ça met clé infinie. Je peux ouvrir toutes les portes après. Hey.
Enfin, maintenant qu'on a ça, faut retourner à l'endroit où il y avait comment? Là où il y avait les pièces. Pièce argentée. Faut retrouver cette pièce. Voilà. Cette fois, on va pouvoir finir. Je pense qu'on va pouvoir défoncer le truc en bas. Ça y arrive. Oh. Encore? Putain, mais... du fric. Donc déjà, on s'occupe du... Aïe, aïe. J'ai plus de bouche. Un petit tour chez le dentiste. Voilà, on va tous décanter maintenant. Comme ça. Ah. Ah bah ça. Avant, vous permettez. Oula. C'est quoi ça?
Oui, je serai prudent. J'ai pas compris. Ok, oui. Parce que j'ai la lanterne, mais... J'ai plus de magie. C'est le trésor des pirates là. Ah, vache. On a assez pour dépenser le bouclier cette fois-ci. En dessous. Ça c'est censé être un quart de cœur. Ça agrandit mes noix. D'accord. Si tu veux. Pas forcément ce que j'espérais, mais si tu veux. Bon. Je pense qu'on a fini ici. Et bon, enrichis s'il te plaît. Et ici donc. Oh là. J'ai rien dit.
Garland Sigil. Oh. Il voulait pas encore que je combatte le boss. Lâche-moi, 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 lâche-moi! C'est dommage, hein? Du coup, on a les trois emblèmes. Oh là, on aura pas fait tout ça pour rien au final, ma foi. Je vais parler au maire, enfin à la mer. Il faut retourner à l'intérieur de l'arme Mojo. Thank you.
Donc, on va le revoir. C'est terminé? C'est terminé comme ça, d'accord. Bon, bah écoutez, je n'y attendais pas. Donc on aura fait 7h47min59s. C'est pas si mal en vrai. Pour un jeu qui n'est pas encore complet. Bon, bah écoutez, ce fut une expérience assez sympathique. Et je suis certain que quand ce sera un jeu complet, bah ce sera une expérience encore plus sympathique. Il y a de très bonnes idées, hein, l'idée des nouveaux items, l'idée de plein de choses. Enfin bref, toute l'ambiance, toute l'expérience que nous avons vécue sur ces deux petits chapitres était assez cool. J'espère qu'on se retrouvera du coup pour le jeu complet sur la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, voilà, c'est sur ça que s'achève ce petit let's play, le chapitre 2 de Zelda Indigo. Mais on se retrouve bien sûr très prochainement pour de nouvelles aventures. Alors, j'ai réfléchi à un éventuel contenu, je vous dis pas encore sur quoi, mais vous verrez que ce sera un peu inattendu ce que je vous proposerai la prochaine fois pour démarrer du coup un nouveau let's play, forcément. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette expérience, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur la chaîne, évidemment. À très bientôt, ciao.